Action. Bonjour, je suis Caroline, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et je suis sommelière dans la vie. Moi, je connais Amy par Emeline, la créatrice de ce fameux objet que j'ai rencontré dans une réunion de start-upeuses à Colmar. Alors, j'ai décidé de participer au crowdfunding, donc j'étais parmi les premières à vraiment y croire parce que c'est au moment où j'ai donné la naissance de mon fils, donc c'était il y a 3 ans. Avant, je n'avais pas du tout connaissance de ce muscle, le périnée. C'est un peu comme quand on fait de l'escalade, on découvre des muscles cachés dans le dos, etc. Donc j'ai fait la connaissance avec ce muscle totalement inconnu jusque-là. Donc j'ai appris que ce muscle, il fallait l'entretenir et surtout après un accouchement, qu'il fallait en prendre soin. Et grâce à Amy, c'est vraiment le cas, c'est un entretien au quotidien, donc top. Donc c'est une appli qui est très ludique, donc que j'utilise environ 3 fois par semaine. Et du coup, au bout d'un mois et demi, j'ai tout de suite vu que j'avais des médailles de bronze. Je suis devenue un peu championne olympique chez Amy, donc assez rapidement, on peut être des championnes, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que je remarque que beaucoup de mes copines, entre nous, on parle de ce fameux périnée. Avant, je n'avais pas du tout connaissance du périnée avant d'accoucher. Et je trouve que c'est assez intéressant d'en parler librement. Enfin, il n'y a pas du tout de tabou sur l'entretien de son périnée, même si c'est vrai que c'est un muscle qu'on ne montre pas à tout le monde, hein, forcément. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est bien de savoir qu'on peut l'entretenir assez facilement, de manière ludique. Et que d'ailleurs c'est très important quand on voit le rayon pour les incontinents qui prend de l'ampleur dans les magasins. On va essayer de retarder au maximum ces problèmes-là. Amy, c'est indispensable, c'est pratique et c'est transportable.